Bonjour tout le monde. Bonne journée nationale des peuples autochtones. Aujourd'hui, on célèbre le patrimoine et les cultures uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis. En ce 21 juin, mais tout aussi au long du mois national de l'histoire autochtone, reconnaissons les contributions importantes que les peuples autochtones ont apportées et continuent d'apporter à notre pays. Et bien qu'on ne puisse pas se rassembler cette année, on peut et on doit prendre le temps d'apprendre, d'honorer et de célébrer l'histoire, les traditions, les langues et les cultures des peuples autochtones. Les événements tragiques des dernières semaines nous ont montré qu'il y a encore du chemin à faire en tant que pays pour une réconciliation commune véritable. Et il y a également du travail à faire pour éliminer le racisme systémique de toutes nos institutions. On sait qu'on doit faire mieux et on sait qu'on doit en faire plus. On a travaillé en collaboration avec les peuples autochtones pour bâtir une nouvelle relation et on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire. On travaille fort pour combler les lacunes dans les domaines du logement, de la santé et de l'éducation au sein des communautés autochtones. Et on a pris des mesures importantes pour aider à protéger, à préserver et à revitaliser les langues autochtones. On travaille aussi ensemble à réformer les services à l'enfance et à la famille pour permettre aux peuples autochtones de déterminer eux-mêmes ce qui convient le mieux pour leurs enfants, leur famille et leur communauté. La Commission de vérité et de réconciliation et l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont tracé la voie que doivent suivre tous les Canadiens pour parvenir à la réconciliation. Et on travaille à donner suite aux enjeux importants qui ont été soulevés dans les appels à l'action et les appels à la justice. Il y a de l'injustice et de la discrimination dans nos systèmes parce que c'est comme ça qu'ils ont été construits. Mais on s'engage à écouter, à apprendre, à comprendre et à régler cette situation. Ensemble, en partenariat avec les peuples autochtones, on continuera de promouvoir la réconciliation et de corriger les torts du passé. Aujourd'hui et à tous les jours, reconnaissons et célébrons la façon dont les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont façonné notre passé et continueront de façonner notre avenir. Bonne journée nationale des peuples autochtones.